suis médecin interniste à l'hôpital Tenon et au centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose AA. Donc on ne m'a pas demandé d'actualité thérapeutique, mais amylose AA. Alors, donc l'amylose AA, c'est une des causes d'amylose multisystémique acquise. Et en fait, elle représente moins de 3% des diagnostics d'amylose dans nos pays à revenus élevés. L'incidence, c'est 1 à 2 cas par million de personnes années. Mais bien sûr, la répartition est très variable en fonction du pays d'origine, puisque c'est plus de 80% des causes d'amylose en Tunisie, plus de 50% dans les séries au Portugal. Alors, c'était moins de 7% à la Mayo Clinic. Et vous voyez que c'est une maladie qui intéresse essentiellement les néphrologues et finalement pas trop les cardiologues ou les neurologues. Et l'amylose AA est liée à la présence d'une inflammation chronique. Donc la présence de cytokines pro-inflammatoires aboutit à la synthèse hépatique de la SAA, qui est la protéine pro-amylogène de cette maladie. Et c'est une protéine de la phase aiguë de l'inflammation qui a la même cinétique que la CRP. Et donc, dans l'amylose AA, encore aujourd'hui, actuellement en 2024, le traitement, c'est la normalisation de CRP-SAA. Et vous voyez qu'il y a de multiples causes d'amylose AA. Toute cause d'inflammation peut potentiellement conduire, d'inflammation chronique peut conduire à la survenue d'une amylose AA, donc les maladies inflammatoires, les infections chroniques, et puis les causes plus anecdotiques, mais tumorales, etc. Et vous voyez que la proportion il y a une proportion de patients qui ont des amyloses AA de cause inconnue, dite amylose AA idiopathique, et c'est une proportion qui augmente à la faveur de la diminution des causes liées aux maladies inflammatoires chroniques qu'on traite mieux. Et donc, les traitements sont basés sur l'origine de l'inflammation. Pardon. Et on sait depuis le début des années 2000, grâce aux études anglaises, que l'obtention d'une SA inférieure à 10 permet d'améliorer significativement la survie de nos patients, même que la diminution de la SA à moins de 8 mg par litre permet de voir des régressions de syndrome néphrotique chez ces patients. Et nous, on avait montré pour les patients qui suivent à notre centre de référence qui ont une maladie auto-inflammatoire extrêmement rare qui s'appelle la cryopyrinopathie, que depuis 2006, depuis qu'il y a un traitement qui cible spécifiquement l'IL-1 et qu'on peut traiter ces patients et contrôler leur inflammation, on n'a plus vu de... excusez-moi, je ne suis pas douée avec ce truc. On n'a plus vu de décès déclarés liés à l'amylose. Et on avait cet exemple déjà depuis les années 80 dans la fièvre méditerranéenne familiale, une autre maladie auto-inflammatoire qui se compliquait dans 30% des cas d'amylose avant qu'on puisse mettre en évidence que la colchicine marche dans cette maladie et qu'il y avait une diminution de la fréquence de survenue d'amylose AA aux alentours de 10%. Donc on fait toujours des diagnostics d'amylose AA chez des patients qui ont la fièvre méditerranéenne familiale alors qu'on a un traitement efficace, et donc on s'était intéressé à savoir pourquoi y a-t-il toujours des diagnostics d'amylose AA, quels sont ces facteurs de persistance d'amylose AA chez les patients atteints d'FMF, et quand on avait regardé, c'était les patients qui étaient soit sous-traités, donc pas bien surveillés, et qui avaient toujours une inflammation chronique, ou ceux qui avaient été diagnostiqués trop tardivement, hein, et qui donc traités trop tardivement. Alors, est-ce qu'on a des données un peu récentes d'évolution de pronostic des patients avec amylose AA? Récemment, nos collègues turcs ont publié leur série de 174 patients. Ce sont des patients qui sont très jeunes, vous voyez, ils ont 45 ans d'âge médian, avec un âge médian en diagnostic d'amylose seulement 34 ans, parce qu'en fait, ils ont essentiellement des fièvres méditerranéennes familiales, maladie qui est de génétique à début pédiatrique. Et donc, l'âge médian au moment du décès, sur 14% de décès, c'était 53 ans, majoritairement de cause infectieuse. Et donc, ce qu'ils avaient pu mettre en évidence, c'est que le développement de l'insuffisance rénale terminale grévait franchement le pronostic et donc altérait significativement la survie, et que les patients qui avaient un risque de développer l'insuffisance rénale terminale avaient souvent un DFG altéré au diagnostic d'amylose, DFG inférieur à 60. Et quand ils regardaient, c'est que malgré un bon contrôle de la CRP et de la protéinurie sous traitement de chez patients, eh bien, quand même 48% qui évoluaient vers l'insuffisance rénale terminale, des patients qui avaient une créatinine de base significativement plus élevée et une protéinurie qui tendait à être plus élevée à la prise en charge. D'où l'importance de traiter, contrôler tôt l'inflammation chez ces patients.
Donc ça vous a été présenté ce matin, mais cette étude européenne collaborative qui a cherché à mettre en place des scores pronostiques, et on a maintenant l'âge, le DFG inférieur à 35, le BNP supérieur à 130, qui seraient des facteurs prédictifs de survie globale. Donc on peut stratifier les patients, et des facteurs prédictifs de défaillance rénale. Donc les patients, quand on a voulu savoir de quoi ils mouraient, eh bien, dans notre cohorte de patients suivis pour amylose A, eh bien, c'était majoritairement des infections, des causes cardiovasculaires en deuxième, 30% des cas, et les facteurs de risque de mortalité, c'était le fait d'avoir une amylose AA secondaire à des infections chroniques. Ce sont ces patients qui souvent nous posent énormément de problèmes thérapeutiques. En transplantation rénale, nos collègues néphrologues de Thenon ont publié l'année dernière leur série multicentrique de 86 patients avec amylose AA et ont pu mettre en évidence une survie après transplantation de 85% à 5 ans et des taux de survie de greffon 75% à 5 ans. Et en fait, quand ils comparaient aux études antérieures, il n'y avait pas franchement d'amélioration, mais en fait, parce que probablement les receveurs sont maintenant plus âgés, plus comorbides, on arrive à traiter des patients plus facilement, à greffer des patients plus comorbides que dans les études précédentes. Et c'est des taux qui sont similaires aux données de l'Agence de biomédecine. Et donc, les facteurs associés à la survie du greffon, c'était des données néphrologiques qui me dépassent un peu, mais et puis surtout le fait d'avoir une CRP encore positive au moment de la transplantation. Et ça ressortait également comme facteur associé à la survie des patients, en dehors de l'âge au diagnostic, à la transplantation et le fait d'avoir un diabète préexistant. Le fait d'avoir une CRP qui restait positive au moment de la transplantation était associé à une moins bonne survie. Donc, si on regarde un peu la littérature, les messages clés qu'on peut retenir pour amylose A et transplantation rénale, quand on regarde c'est beaucoup de séries turques, parce que beaucoup de patients amylose AA sur FIA méditerranéenne familiale, mais il n'y a pas d'augmentation des taux de rejet aigu ni de risque d'infection nécessitant l'hospitalisation chez les patients qui sont traités par anti-L1. Le taux élevé de CRP à la transplantation est associé à une moins bonne survie globale du greffon en analyse multivariée, et la persistance d'une SA élevée en post-transplantation expose au risque de récidive. Mais pour l'instant, on n'a pas assez de données prolongées pour pouvoir voir l'effet sur la survie du greffon. Et donc, les messages importants aussi, c'est que l'utilisation des biothérapies anti-L1, anti-L6, anti-TNF en post-transplantation ne semble pas associée à un surrisque d'infection nécessitant l'hospitalisation. Nos collègues allemands viennent de publier cette année leurs données sur l'utilisation des biothérapies chez les patients ayant une amylose AA secondaire à des maladies inflammatoires chroniques, maladies auto-inflammatoires, ou les fameux patients qui ont une inflammation de cause inconnue, une amylose de cause inconnue. Et ils montraient que l'utilisation des biothérapies permettait de stabiliser la fonction rénale chez 75% de leurs patients, mais que 25% évoluent quand même vers une insuffisance rénale terminale, et surtout quand ils ont une maladie inflammatoire chronique, c'était 40% dans ce sous-groupe. Après, ils ont voulu comparer l'effet du tocilizumab versus les autres biothérapies chez ces patients, en excluant les patients avec maladie auto-inflammatoire qu'on doit traiter par anti-L1 en première intention. Et sur 59 patients, en comparant toci versus autres biothérapies, il montrait que le tocilizumab permettait une suppression de CRPSA plus efficace, une meilleure prévention de l'insuffisance rénale terminale, et il n'y avait pas d'essai dans ce groupe sur les 4 années de suivi. Voilà, donc les points importants, les défis futurs que je voulais vous soumettre. Donc, on a encore besoin d'identifier les facteurs de risque de développer une amylose AA, bien sûr, parce que tous les patients qui ont une inflammation chronique ne vont pas développer l'amylose AA. Poursuivre prévention et dépistage, parce qu'on fait encore des diagnostics d'amylose AA, elle n'a pas disparu. Le contrôle de l'inflammation avant la transplantation rénale et message de poursuivre les biothérapies en post-transplantation. Et puis nous, on veut continuer la recherche sur les patients qui souffrent d'amylose AA sans cause identifiée, puis nous pose des challenges diagnostiques. Et puis en termes de perspective, on aimerait aussi pouvoir soit mis au point des traitements ciblant les dépôts et l'utilisation des techniques de gene silencing thérapie dans l'amylose AA également. Voilà. Merci.